Je suis soignant depuis 6 ans et là j'ai changé récemment là, de service. Là je me retrouve en psychiatrie, ce qu'on appelle une maison d'accueil spécialisée. J'ai commencé par la Croix-Rouge, c'est peut-être ça qui m'a donné cette envie de faire ce métier-là. J'ai fait des tas de petits boulots, puis un jour je suis revenu sur une petite idée de faire du médical. Et le diplôme qui était pour moi le plus accessible était celui d'aide-soignant. Donc tous les soins proprement dits de l'aide-soignant ne sont pas forcément visibles. Il y a quelques toilettes. Au niveau du soin proprement dit, c'est souvent l'infirmière qui couvre ce soin-là. Et nous on est là pour tout ce qui est accompagnement psychologique. Donc les activités sont là pour essayer de recréer ce lien entre l'esprit et le corps. Donc on crée des sorties au théâtre par exemple, ou même ne serait-ce quelque chose de très banal, le cinéma, faire des sorties au cinéma. L'action principale qu'on fait, c'est l'écoute. L'avantage de l'aide-soignant, c'est qu'il peut travailler vraiment dans différents services, et c'est ça la richesse. Après, bon, d'autres inconvénients, c'est peut-être tout ce qui concerne la responsabilité du métier. L'évolution possible, c'est retourner à l'école pour devenir par exemple infirmier. En tout cas, faut ce métier-là, il faut aimer pour le faire, parce qu'il faut savoir qu'il peut être assez simple dans certains services, mais très compliqué dans d'autres.